Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 25 septembre 2021, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Violon 2. Troisième course de la Réunion 1, où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. C'est avec un handicap divisé de première épreuve de référence plus 13 et portant le label Lister Grace que nous allons essayer de gagner quelques précieux euros. L'allocation totale sera de 95 000 euros pour cette course très ouverte à mon coup, et sachez que nos concurrents batailleront sur le parcours du Steeplechase long de 4 400 mètres avec la piste intérieure des Steeplechasers. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. Position, nous retenons le numéro 3, Feu d'artifice. L'autre jour, pour sa première association avec un certain James Rivley qui caracole en tête au classement de la Cravache d'Or, il n'a pas manqué sa cible en s'imposant plaisamment. Une nouvelle fois piloté par le crack jockey britannique, il peut espérer doubler la mise dans ce quintet plus de niveau moyen. En deuxième position, nous retenons le numéro 5, Rod McStable. Cet élève de Daniel Amélé est en belle forme actuellement et s'entend merveilleusement bien avec Théo Chevillard. Théoriquement, dans ce lot, malgré ses 71 kilos, elle peut espérer jouer la victoire finale. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Diffly River Anne. Philippe et Camille Pelletier l'aiment bien et pensent qu'il vaut largement mieux que sa récente cinquième place. Olivier Jouin étant en selle, il faut logiquement lui accorder un très large prix. En quatrième position viendra le numéro 6, Sergeant Peppers. Ce représentant de la casade du sympathique Alain Jatière est présenté par un certain François Nicole et monté pour la circonstance par Angelo Zulien. Tout neuf à l'âge de 5 ans, il peut gagner un handicap de ce genre. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Irjas. L'assouplissement des terrains devrait convenir à cette pensionnaire de Marcel Roland qui partira avec la confiance de son pilote, un certain Nicolas Goffenic. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Drop Flight. Pierre Dubourg est le premier jockey de l'écurie d'Arnaud Chaillet-Chaillet et ce cheval restant sur deux tentatives ne reflétant pas sa réelle valeur doit être repris en confiance aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 1, Vision de Maître. Louis Baudron est l'entraîneur et propriétaire de ce cheval qui sera monté pour la circonstance par un Johnny Charon, motivé à l'idée de remporter un quintet plus. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Galet des Fosses. Patricia Butel l'aime bien et elle ne fait pas appel au service de Félix de Gilles pour faire de la figuration ici. En cas de non-partant, le numéro 12, Dernier Cri, présenté par un certain Nicolas de la Jeuneste, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono indique le tiercé dans l'ordre, le quartet dans l'ordre de 117 euros, ainsi que le quintet plus, cette fois-ci, dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre